محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني ترى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، أرسله الله رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, nous voilà maintenant à Arafat. Arafat, cette plaine que vous connaissez, où on se rend chaque neuvième jour de mois de Dhul-Hijjah afin d'accomplir le Hajj. C'est ici que tous les pèlerins, le neuvième jour de Dhul-Hijjah, se regroupent pour accomplir un des piliers les plus importants du pèlerinage. C'est Al-Mawquf bi Arafat, le fait de rester sur la station de Arafat. Et c'est ici également que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu le 9 Dhul-Hijjah, il y a plus de 1420 années, il s'est réuni ici. Et là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'imaginer et de faire une petite pause et de revenir il y a 1429 années en arrière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive ici avec ses compagnons. Il quitte la Mecque pour ensuite aller à Mina. Et de Mina, il vient le neuvième jour accompagné de plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes qui sont venues de toute l'Arabie afin de pouvoir accomplir le pèlerinage avec Mohammed alayhi salat wa salam. Il vient accompagné de plus de 100 000 personnes, lui qui a quitté la Mecque alors qu'il était seul avec Abu Bakr radiallahu anhu. Alors qu'il était seul et qu'il a dû fuir la Mecque, apeuré. Sa tête est mise à prix. Quelques années plus tard, 10 ans plus tard, il revient et plus de 100 000 personnes sont prêtes à donner leur vie, à leur donner leur bien, à donner tout ce qu'ils possèdent pour amour, pour le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez tous ces hommes et ces femmes en train de traverser tous ces endroits. Imaginez Bilal. Bilal qui traverse cette plaine qui sont noircies par la chaleur, noircies par le soleil de Mecca, ce même soleil sous lequel Bilal radiallahu anhu a été éprouvé. Bilal qui était sous la chaleur, la canicule de Mecca, mise à l'épreuve de sa foi, alors qu'il était allongé sur le sol, brûlant, et qu'on lui mettait un rocher lourd sur sa poitrine afin qu'il renie son islam et qu'il insulte le prophète alayhi salam. Mais sa foi était bien plus solide que ce rocher. Il est resté ferme et il n'a cessé de dire « Ahadun Ahad ». Il est unique, jusqu'à ce qu'Allah le délivre. Et regardez-le maintenant, il marche avec fierté. Regardez le prix des sacrifices, regardez la récompense du sacrifice, regardez la récompense de rester ferme et attaché à sa religion. Comment s'appelle Bilal ? Imamul Mu'adhinin. Lorsqu'ils sont arrivés à Mecca, le prophète lui a ordonné de monter sur la Kaaba afin de faire l'adhan. Regardez le mérite qui revient maintenant à Bilal. Après avoir passé ces quelques heures ou ces quelques journées sous ce soleil, le voilà revenir sur ces mêmes endroits. Mais cette fois-ci, la tête haute parce qu'il a réussi l'épreuve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans cet endroit, à Arafat, où il va tenir un discours éloquent, immense, qui fait de l'ombre à tous ces traités de paix qu'on connaît et à toutes ces chartes des droits de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir et va se tenir devant plus de 100 000 personnes. Il va venir rappeler et établir les principes fondamentaux de l'islam. Et de la même manière, il va venir clairement mettre de côté tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est idolâtrie et tout ce qui est faux pratiques qui sont interdites en islam, comme al-riba, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir mettre sur pied d'égalité tous les êtres humains. À partir du moment que, peu importe que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois arabe ou non arabe, la seule chose qui nous distingue auprès d'Allah, c'est notre piété. Si tu es croyant et tu crains Allah tabaraka wa ta'ala, te voilà supérieur et voilà la manière dont tu te distingues devant ton Seigneur, de par ta piété, de par ta croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aussi mettre un point de le fait de s'occuper correctement des femmes, de leur donner leurs droits et rappeler les devoirs que les hommes ont envers elles et les devoirs qu'elles ont envers les hommes.
mais rétablir cette justice sociale également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va énoncer ainsi un long discours dans lequel il parlera des principes fondamentaux de l'islam et des règles de vie, etc. Puis à la fin, il leur dira: vous serez questionnés le jour du jugement dernier à mon sujet. Qu'allez-vous dire? Et là, ils disent: nous témoignons, ya Rasulallah, que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ta mission, et que tu as été loyal, et que tu nous as conseillé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter son doigt vers le ciel, et va le rapporter à trois reprises sur eux. Et il dira: Allahumma fashhad, oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin. Puis il quittera ensuite cet endroit-là pour venir ici, au pied de cette montagne, et rester de longues heures en invocation, alayhi salatu wassalam. Il invoquera Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il nous est rapporté. Ses mains étaient portées à hauteur de son torse. Il avait la tête baissée. On avait l'impression que c'était un mendiant qui demandait à manger. Regardez cet homme qui est la meilleure créature d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est autour de lui à une armée de plus de 100 000 personnes, 100 000 personnes prêtes à donner leur vie pour lui. Et regardez-le, il est humble, tête baissée, et il invoque son Seigneur. Il invoque son Seigneur et il le remercie pour tous ses bienfaits. Et alors cette journée, il va y avoir un verset coranique mémorable qui va être révélé. Allah tabaraka wa ta'ala va révéler le verset suivant: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et j'ai accompli pour vous mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Lorsque ce verset est descendu, c'était un des derniers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Mais en même temps, ce verset-là nous indiquait quelque chose de beaucoup plus dramatique qui allait arriver. Ces versets-là n'étaient que des prémices et des signes pour une grosse épreuve qui allait plus toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sa communauté. D'ailleurs, ce discours, on l'appellera le discours d'adieu. Et ce pèlerinage, on l'appellera le pèlerinage d'adieu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de ses rites, il n'avait de cesse de répéter: prenez de moi vos rites, il se peut que je ne fasse pas le pèlerinage après cette année-là. Et il disait: prenez de moi vos rites, il se peut que vous ne me verrez plus après cette année-là. Et il en a été ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de donner des signes qu'il était en train de se préparer. Lorsqu'Allah a révélé ce verset, les compagnons ont compris que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à son terme. Et que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une fin. Certes, Muhammad est la meilleure des créatures, mais ça reste un être humain. Et Allah lui a dit: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras, ya Muhammad, et tous mourront. Muhammad est l'homme le plus aimé dans notre cœur, mais ça reste un être humain. Il devait goûter lui aussi la mort et quitter ce bas monde. Et parmi les signes, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Médine et qu'il envoya Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu en tant que gouverneur au Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, humble comme il est, il marche à côté de Mu'adh alors que Mu'adh est sur sa monture, et il l'accompagne lors de ce voyage. Et ensuite il dit à Mu'adh: ya Mu'adh, il se peut que tu reviennes et que tu ne me revois plus, et que tu passes juste par ma tombe et par ma mosquée. Et là Mu'adh, il fond en larmes, il dit: ya Rasulallah, non, s'il te plaît, ya Rasulallah. Le prophète lui dit: vas-y, pars. Il ne voulait plus y aller. Comment accepter une nouvelle comme celle-là et une information comme celle-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait de cesse de multiplier ses petites réunions, ses petites assises avec les compagnons. Et il leur disait: peut-être que je ne serai bientôt plus ici. Peut-être que je ne serai plus ici. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de se rendre au Baqir. Lorsqu'il va au Baqir, il se tient devant les tombes des martyrs. Et là, pas au Baqir, Afwan, à Uhud. Il se rend à Uhud. Il va passer le salam à tous ces martyrs qui sont morts pour le protéger, alayhi salatu wassalam. Et il les salue une dernière fois. Il rentre chez lui. Et la veille de sa maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille en pleine nuit. Et il réveille un de ses domestiques, Abu Muwayhiba. Il lui dit: viens avec moi, Abu Muwayhiba. Il m'a été ordonné d'aller saluer les gens du Baqir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller au Baqir et va invoquer pour les gens du Baqir. Et sur le retour, il dira à Abu Muwayhiba: écoute, Allah m'a donné le choix de me donner les trésors de ce bas monde, l'éternité sur terre et ensuite le paradis, ou de le rejoindre. Et là, Abu Muwayhiba qui dit: ya Rasulallah,
بأبي أنت وأمي. Je donne ma mère et mon père. يا رسول الله. Prends ma fatiha dunya. Prends les richesses de ce bas monde. Prends l'éternité dans ce bas monde. Puis le paradis. Et là, le prophète Sassam dira non. لقد اخترت لقاء ربي. J'ai choisi la rencontre de mon Seigneur. Comment le prophète Sassam devait être, il devait avoir ce désir ardent d'enfin rencontrer son maître, d'enfin se reposer auprès du maître incontesté de l'univers. Et lorsqu'il rentrera, le lendemain matin, sa maladie va commencer, alayhi salatu wassalam. Il sera touché d'une migraine qui sera tellement intense et forte qu'il le rendra incapable de se lever ou d'aller même diriger la prière. Il demandera l'autorisation à ses épouses d'aller se faire soigner dans la maison de Aïcha, radiallahu anha. Et lorsqu'il sera là-bas, jour après jour, et l'intensité de sa maladie augmente, lui qui a bi-abi wa ummi a déjà souffert toute sa vie. Il a été chassé, insulté, méprisé. Et là encore, avant de rencontrer son Seigneur, il est encore éprouvé. Et tout cela pourquoi ? Pour le lever en degré. Pour le lever en degré, et nous qui nous plaignons pour chaque épreuve, alors que le prophète sallam, il n'a pas connu le repos. Chaque instant de sa vie a été une épreuve jusqu'à sa mort. Il n'a pas trouvé le repos. Il est mort avec une maladie lourde et une migraine qui l'a par la suite terrassé, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha disait, lorsque je voyais le prophète sallam pendant ses derniers jours, il n'avait de cesse de répéter, Allah ne prend pas l'âme d'un prophète sans lui donner le choix. Allah ne prend pas l'âme d'un prophète sans lui donner le choix. Et elle dira vers la fin de sa vie que lorsqu'il était à l'agonie, il disait, Bali rafiq al-a'la, Bali rafiq Bali rafiq al-a'la, mais au contraire la grande compagnie, au contraire la grande compagnie. Et Aïcha elle disait, idhan la yakhtaruna, c'est-à-dire que ça y est, il a fait son choix, il ne veut pas de nous. Mais pendant toutes ces journées qui ont été dures pour les compagnons, un jour Abu Bakr radiallahu anhu passe, alors qu'il est avec Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe à la mosquée, il trouve un groupe de Ansar qui sont en larmes, qui sont en train de pleurer. Et il s'arrête, il leur demande, qu'est-ce qu'il vous fait pleurer? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous manque, il est malade, il est pas bien, il ne sort plus à la mosquée, on ne le voit plus, on est inquiet. Et là, Abu Bakr va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de cette inquiétude et de cette tristesse qui a rempli les cœurs de ses compagnons. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre tout son courage à deux mains. Il va être aidé de Ali et de l'Fadl, et ils vont venir, ils vont le soutenir, ils vont l'aider à marcher, ses pieds sont en train de traîner sur le sol, alayhi salatu wassalam. Il va venir et il va s'asseoir sur son minbar pour la dernière fois, ce sera la dernière fois que les compagnons le verront sur le minbar, alayhi salatu wassalam. Et là il leur demandera, si je dois des choses à quelqu'un, voici mon argent, prenez-le. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, voici mon corps, prenez-le. Un des compagnons va vouloir se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait les rangs, il lui avait mis un coup de bâton sur le ventre. Il va dire, ya Rasulallah, une fois tu m'as frappé avec un bâton sur le ventre et tu m'as fait mal, aujourd'hui je veux payer, aujourd'hui je veux appliquer sur toi la loi du talion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire venir un bâton, toute la mosquée est en pleurs, ils sont en train de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tête bandée de par sa migraine, affaiblie, et un homme avec un bâton qui veut taper le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais à peine arrivé au pied du prophète sallallahu, il va se jeter contre son ventre et il va l'embrasser, il va le regarder, il va dire, ya Rasulallah, je voulais que la dernière chose que j'ai de toi, c'est un contact avec ma peau. Je voulais t'avoir peau contre peau pour une dernière fois avant que tu nous quittes. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner énormément de recommandations. Il retournera dans sa chambre, la maladie augmentera jusque le lundi matin. Le lundi matin, journée durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Il sentira un peu mieux. Il se lèvera à la prière de Subh alors que Abu Bakr est en train de diriger la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive et il tire le rideau et là les compagnons sont complètement perturbés dans leur prière. Ils regardent le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un visage qui est aussi illuminé que la lune lorsqu'elle est pleine, avec un sourire immense. La dernière chose qu'il leur a donné, alayhi salatu wassalam, c'est un sourire. Le dernier souvenir qu'ils ont de lui, c'est un sourire. Mais qu'est-ce qui l'a fait sourire? C'est de voir tous ses compagnons en rang, à l'heure, à Salat al-Fajr, à la mosquée. Que dirait le prophète s'il nous voyait nous aujourd'hui, à nous donner toute excuse pour ne pas faire salat, toute excuse pour ne pas faire salat à l'heure, toute excuse pour ne pas se rendre à la mosquée? Ce qui a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi heureux, c'est parce qu'il a vu les fruits de son sacrifice. Ils sont là, c'est concret, c'est là. Je peux quitter ce bas monde, j'ai laissé derrière moi une relève. Et la dernière chose qu'ils verront de lui, c'est ce sourire. Ce sourire, qu'est-ce qui devait être beau?
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite fermer le rideau et c'est la dernière fois qu'ils le verront. Le prophète alayhi salatu wa sallam va regagner la chambre de Aïcha et là la maladie va s'intensifier sur lui, alayhi salatu wassalam. Il va s'intensifier jusqu'à ce qu'il dira lui-même, certes la mort a des affres, la mort a une ivresse, la mort a une ivresse, il prendra de l'eau qui se mettra sur le visage afin de soulager cet état dans lequel il est, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha, qui a son bien-aimé entre sur elle, qui a sa tête posée sur sa poitrine, elle le voit, il lève la main gauche et là il dit, balir rafiq il a'la, Allahumma ghfirli, Allahumma marhamni. Quel péché il avait pour demander pardon. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, oh Allah pardonne-moi, oh Allah fais-moi miséricorde, balir rafiq il a'la, mais la grande compagnie, mais la grande compagnie, mais la grande compagnie, et là sa main est tombée, et là Aïcha radiallahu anha a senti le poids de son époux sur sa poitrine, elle a compris qu'il venait de lâcher, de quitter l'âme, son âme a quitté ce corps si pur, si noble, la respiration si pure et si noble de ce corps venait de se terminer, et là c'est la catastrophe, Aïcha radiallahu anha n'arrive pas à s'en remettre, n'arrive pas à prendre conscience que le prophète alayhi salatu wassalam, son bien-aimé vient de mourir, elle le laisse, elle le recouvre et elle vient à la mosquée, elle annonce cette nouvelle qui est venue comme une bombe atomique. Les compagnons n'ont pas voulu y croire. Omar ibn al-Khattab lèvera son épée et il menacera toute personne qui osera dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il les menacera de les tuer et en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à la rencontre de son seigneur et il reviendra et lorsqu'il reviendra, je lui dirai que parmi vous il y a des hypocrites qui ont osé dire qu'il était mort et vous verrez, il vous condamnera tous à mort. Il n'arrivait pas à accepter cela. Lorsque Abu Bakr qui était chez lui a appris la nouvelle est venu, il a traversé la mosquée et tout le monde dans leurs états, il rentre dans la pièce de sa bien-aimée, il rentre et il voit un corps. Et il lève le voile. Abu Bakr qui est le meilleur ami du Mohammed, même avant l'islam, son bien-aimé avec qui il a passé tant de moments, avec qui il a tant sacrifié, il le voit. Et il l'embrasse entre les yeux et lui dit, « Ya Khalila, oh mon bien-aimé !» Il l'embrasse 2 à 3 reprises. Il lui dit, « Certes, la mort qu'Allah t'a promis, tu l'as enfin goûtée, tu ne goûteras plus à la mort après cela. » Puis il remet le drap sur le visage de son bien-aimé. Et là, il prend son courage à deux mains et il ressort. Abu Bakr était l'homme de la situation. Abu Bakr était l'homme de la situation. Il n'a pas su se contenir devant son bien-aimé. Mais lorsqu'il est sorti devant les gens et qu'il a vu Omar ibn al-Khattab dans tous ses états ainsi que les autres, il a dit à Yohannas, oh vous les gens, que ceux qui adoraient Muhammad, chose qu'on n'aurait jamais pu dire du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appelait par son prénom. On l'appelait Rasulullah, Nabiullah, Khalilullah, mais jamais on l'appelait Muhammad. Et là Abu Bakr dit, man kana ya'budu Muhammad, Fa inna Muhammadan qad mat. Certes, ceux qui adoraient Muhammad est mort. Et ceux qui adoraient Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis il récite ce verset, Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rasul. Certes, Muhammad n'est qu'un messager. Et avant lui sont passés d'autres messagers. Afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Est-ce que s'il mourait ou qu'il était tué, est-ce que vous allez ensuite retourner sur vos talons, faire marche arrière? Et là, les gens ont compris. Omar ibn Khattab dira, c'est comme si c'était la première fois que j'entendais ce verset. Combien de fois on a entendu ce verset, mais on n'y a jamais prêté attention. C'est maintenant qu'on a compris. Il a dit, Ma'ata Rasulullah, il est tombé sur ce genou. Omar radiallahu anhu, Uthman qui était inconsolable, ainsi que Ali, etc. C'était la panique. Puis le prophète, ne pas oublier les dernières paroles. Parmi les dernières recommandations qu'il a données à sa communauté, alayhi salatu wassalam, c'est As-salat. As-salah, as-salah. Vous pensez qu'une personne qui est sur son lit de mort et qui est en train de délivrer ses dernières paroles, pensez-vous que ce sont des paroles qui sont futiles? Pensez-vous que ce sont des paroles qui n'ont pas une importance? Qu'avons-nous donné à Salat? La dernière des paroles, c'est à Salat, à Salat, à Salat. La prière, la prière, la prière, c'est le lien que tout croyant avec son Seigneur. Celui qui coupe ce lien-là, il a coupé avec Allah tabaraka wa ta'ala. La dernière chose qui a fait sourire le prophète, c'est de voir ses compagnons en prière. Qu'en est-il de notre prière, encore une fois? Il est temps de se remettre sérieusement en question.
On a laissé passer l'avantage d'un travail, d'une certaine rémunération, d'un certain confort social, d'un certain rang social. Pourquoi ? Pour mériter l'enfer ? Est-ce que ce bas monde a autant de valeur que ça à vos yeux ? Ne nous laissons pas intimider par toutes ces faux prétextes. Wallahi, alhamdoulillah, celui qui veut travailler et prier peut y arriver. C'est juste une question de choix et de sacrifice. Parmi les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celle-là. Et parmi le dernier verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé sur notre bien-aimé avant qu'il meure, c'est « Wattaqu yawma, wattaqu yawman turja'oun fihi ila Allah » Et craignez un jour durant lequel vous allez retourner à votre Seigneur. Craignez un jour durant lequel vous allez retourner à votre Seigneur. Toute cette da'wah qui a duré 23 ans pour conclure ce message divin par ce verset-là. Craignez un jour durant lequel vous allez retourner auprès d'Allah. Et vous savez quel est ce jour, et le jour du jugement dernier, là où il ne sera plus possible de se rattraper. Alors oui, Muhammad a.s.w. est mort. Oui, il est mort. Mais il est vivant en chacun d'entre nous. Il est vivant au fond de notre cœur si on lui donne une place qu'il mérite. Il est vivant à partir du moment où tu l'évoques, à partir du moment où tu parles de lui, à partir du moment où tu le prends comme exemple. C'est pas lui qui nous a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». C'est pas lui qui disait pendant les rites du pèlerinage et de la Umrah « Prenez de moi les rites ». Voici notre exemple. À partir du moment où on s'attache à l'exemple du prophète, on le fait revivre. Connaître sa biographie, on le fait revivre. Parler de lui à nos enfants, ça le fait revivre. Parler de lui autour de nous, ça le fait revivre. S'imprégner de son comportement, de son attitude, ça le fait revivre. Oui, il est mort, mais en chacun d'entre nous, il vit. Mais pour cela, ça demande quoi ? De le connaître. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu n'aimes pas. Vous voulez obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimez-le. Vous voulez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprenez à le connaître. Mais avec quelques informations par-ci, par-là et du bricolage, malheureusement, comment voulez-vous ensuite qu'il soit la personne la plus chère à notre cœur ? Comme il nous a été demandé, il nous dit, alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, vous ne serez jamais véritablement croyant, hatta akuna habba ilayhi, jusqu'à ce que je sois le plus aimé envers lui, min walidihi, que ses parents, que ses enfants et que l'ensemble des gens, alors que chacun d'entre nous, essayons de chercher au fond de nous quelle part dans le cœur, dans notre cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a. أقول قولي هذا je m'arrête ici بإذن الله تعالى والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك